Il ne faut plus qu'une semaine pour obtenir son passeport. Ils ne deviendront pas. C'est... Vous l'avez adoptée, j'imagine. Mm-hmm. Elle est d'où ? D'Haïti. Haïti. Vous êtes enchantée. Ça oui, on a une chance folle. On sait ce qu'on fait, tu crois ? Ce qu'on sait pas encore, on le découvrira. Je vous admire. Le monde est bien meilleur grâce à des gens comme vous. Salut ! Ah, oh, salut ! Vraiment partout. Nina, ma chérie ? Steven ! Elle est pas là ! Nina ! Nina ! Écoutez, je cherche ma fille, elle était dans sa chambre. Et aussi, avez-vous des photos de Nina ? J'ai cherché sa photo de profil sur le site internet, il n'y a plus de site. Combien est-ce que vous a coûté cette adoption ? 60 000 dollars. Cette arnaque s'appelle une réclamation. Les escrocs font en sorte de soutirer le maximum d'argent. Ils reprennent l'enfant et le donnent à de nouvelles victimes. Et où est votre mari ? Il est parti à sa recherche. On ne fait pas justice soi-même. Elle disait qu'elle pouvait s'en charger, alors j'ai payé. Tu as acheté notre fille sur le marché noir. Bébé, on était si près du but, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Communiquer ! Contre le mur. D'habitude, on prend juste l'enfant. Mais la nécessité nous rassemble. À nouveau. Parce que c'est ce qui nous fait vivre, après tout. Notre argent, il en reste rien. J'ai comme l'impression que tu mens. J'en ai assez qu'on mente. Donc soyons très clairs concernant les enjeux de cette affaire. S'il vous plaît, Spiro ! Il faut leur donner ce qu'ils veulent. Ce n'est que de l'argent. De toute manière, ils vont nous tuer. Tu peux prendre tout ce que tu veux. On est des gens honnêtes. Tu as plus d'argent. Encore une fois, une dure journée. Comme vous qui ne veulent pas de jeunes chiots fraîchement sortis du magasin, il vous faut les plus âgés afin d'éviter les cas de conscience. Mais je vais nous sortir d'ici. On a un problème. Je crois que ta femme a plus de couilles que toi et elle, elle a pas d'armes. Accroche-toi ! Tiens le coup, chérie ! Tiens le coup !